like the girls with their nails done. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 sur Gran Turismo Sport. Pour le mode campagne sur GT League, on est en difficulté amateur. On est avec le 17e championnat, donc le trophée tourisme. 5 courses au programme. Et la première course, c'est le fameux Oval, hein, qu'on se retape encore une fois, avec 15 tours et 16 personnes. Donc une série de courses monotypes pour Audi TT, dont elle porte le nom. Donc c'est réservé à l'Audi TT, je l'ai avec la peinture que j'ai faite moi-même, à part les femmes qui sont dessus, que j'ai trouvé via l'éditeur de livret. Mais sinon, les palmiers, la plage et le ciel, c'est moi qui ai mis la peinture dessus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, il y a les palmiers, le soleil, la plage que j'ai faite, et les femmes, c'est quelqu'un d'autre. Alors vu que c'est réservé à l'Audi TT, je comprends pas trop l'amélioration. On va l'améliorer un coup ici. Puis voilà, on n'a pas de fiche pour le circuit. On est parti du coup avec 15 tours sur le Northern Hills Speedway. Et on est 16. Ah, Monsieur Rose, de retour. Regardez-moi cette peinture incroyable que j'ai faite sur ma Audi. Je me rappelais même plus que j'avais fait ça à l'arrière. J'ai fait un petit palmier. Le pire, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont téléchargé et qui ont apprécié. Ça a dû me prendre 1h30 à créer ça. Ça fait un peu enfantin, et puis j'ai fait ça à la période d'été, donc ouais. Bon, 15 tours, ça va être relativement long. On va tourner en rond. C'est le circuit vraiment que je n'apprécie pas. Que je n'apprécie pas à faire, hein, vraiment. Il n'y a aucune utilité à tourner en rond. Oh, l'autre il a mis sa voiture en mode Hulk là. Donc là il y a la voiture de Thanos. A fait un bon bruit. La voiture d'Iron Man. On sera, j'espère, sur un championnat un peu plus court que celui qu'on a fait juste avant, à l'épisode 16, où j'ai mis 1h35 de mon côté en jeu. J'ai la moitié des tours, quasiment. Et les deux premiers sont juste devant. Tournicoté, tournicoton. Et nous voilà premier, au 7ème tour. Il nous reste donc la moitié des tours à faire. On va essayer de doubler les derniers. C'est même pas qu'on va essayer, c'est qu'on va le faire. Un de ces quatre, on va se les taper, c'est 200 tours. Je dis ça pour la rigolade, mais on est quoi, 6 tours, après on a eu 10, là on a eu 15. Tours, ça me fait un peu peur pour la suite des épreuves.
dépendra de la difficulté de l'IA. Sinon vous allez vous retrouver avec un épisode qui dure pas longtemps et avec pas mal de coupures, parce que j'arriverai peut-être premier assez rapidement. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces vidéos détente. C'est des vidéos à regarder tranquillement le soir avant d'aller se coucher. Il est 17h45 parce que c'est un horaire où tout le monde rentre du travail, du plus ou moins, ou de l'école pour ceux qui mineurs. Je pourrais mettre 21h, mais le problème de 21h c'est les horaires où je suis pas présent en fait avec le travail. Entre 18h et 23h je suis pas présent. Hey, va se calmer, oui. Et on m'attaque. Pourquoi il pète un câble? Combien de temps? Ça fait 5 minutes qu'on tourne en rond. 15 tours, 5 minutes. En vrai, c'est pas trop mal. En vrai, c'est pas trop mal. 15 tours, 5 minutes. S'il y en a vraiment 200 de ces 4. Hein. Ouais, on est pas loin de l'heure, hein, j'imagine. On est parti avec la deuxième course, Dragon Trail Littoral 2 en 3 tours. Toujours pas de consommation. Allez. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà un peu utilisé la voiture. Sur le circuit, apparemment, il y a deux groupes de véhicules. Et une légère séparation. Pardon, je m'incruste. Ouf, j'allais manger le mur. J'ai un enregistreur 4K. Mais c'est quand même une somme assez conséquente. Parce que ça fait 3 ans que je fais que ma chaîne YouTube a réellement commencé. Et d'accord, il est sorti. Hop, et j'ai pas eu le moindre bénéfice durant ces 3 ans. Tôt ou tard, ça finira par payer. Et on est 6e. Il y a un bouchon devant. Il y en a Guzman qui est parti tout seul. Oh, je le rentrais dans le derrière, c'est pas grave. Il y a 5 secondes, Guzman. Eh hey, monsieur Rose, calme-toi. On se calme.
ça se fait qu'il va plus vite que moi. Je le fuis parce que je le sens mal. Et il tient bien Guzman, il tient bien le Canadien. Allez, on essaie de le rattraper. Je suis désolé comme d'habitude pour les bruits ambiants. C'est que le micro est un poil sensible. C'est bon, le double. On n'a pas de klaxon sur le jeu. Ça n'a pas vraiment d'utilité, mais il n'y en a pas. Eh bien, on est premier. Je vous retrouve directement lors du dernier tour. Allez, on est sur la dernière ligne droite quasiment. Le deuxième est juste derrière moi, il m'a collé tout le long du tour. J'ai failli faire une sortie de route dans l'épingle juste avant. C'était limite. Mais oui, il colle. Il a mon aspiration. Et c'est bon. On a failli se faire doubler sur la ligne d'arrivée. Il était à combien de temps d'écart? Quasiment 4 centièmes. Effectivement. Conduite, bonus course parfaite, 52 000 crédits quand même, c'est pas mal du tout. On se rapproche du niveau 35 tout doucement. Et bien on se retrouve avec la troisième course, Nürburgring-Nordschleife. Du coup, encore une fois, le circuit qu'on a eu dans le Grand Prix précédent, dans le championnat précédent, là encore une fois. Bon, avec une voiture un peu moins puissante, on va voir ça. Mais oui, là... On se reprend le même circuit. Ça va être relativement compliqué, j'imagine. Quoique ils n'ont pas l'air de vraiment avancer. On est en coucher de soleil. En crépuscule, comme on dit. Effectivement. Un peu trop puissant pour les derniers. La route a l'air d'être pas mal éclairée. On va tout faire pour pas sortir de route. Pour l'instant tout se passe bien, on est à 23 secondes du premier. Vu que c'est en un tour, si on arrive assez rapidement au premier, je ne sais pas si on fait tout le truc d'un coup ou pas. Impossible bleu. On va pas se pousser. J'arrive comme une torpille derrière lui, mais non, je reste en plein milieu de la route. Je te bloque, je te gêne. Je te fais de l'anti-jeu. Vous savez que vous pouvez recevoir une pénalité hein, si vous faites de l'anti-jeu comme ça bloqué. Dans la vraie vie, hein, ça, vous n'avez pas le droit de bloquer. Mais il faut pas attention à leur rétroviseur non plus. Pas de se laisser faire. Allez. Elle rend bien cette Audi TTS. Peut-être la TTS pour le sport, j'imagine.
Ce qui est cool, c'est qu'on voit souvent les mêmes véhicules au niveau des couleurs. La Thibaut qui est devant. La Hopkins, Garashi. Ah, Monsieur Rose, Monsieur Rose. Ah, hop là, j'ai fait faire la même que lui. Faut vraiment pas qu'il y en ait un qui se vautre. Ah, pardon. Un peu bousculé. Le chrono en plein milieu de l'écran est un peu relou. En vrai. On peut pas désactiver la TH, c'est vraiment un souci. Tellement d'éléments à l'écran qui servent pas à grand chose. On a fait du off-road. On va essayer de l'avoir assez rapidement, qu'ils prennent pas la fuite. Quand même avec des véhicules moins rapides. Malade, bon frein. Je viens de remarquer seulement que l'aileron s'ouvre et se referme. On a très bien pris ce virage. Pas se laisser faire ce premier à chaque fois. J'ai un peu peur pour la suite. C'est juste le premier qui se barre et le reste ne suit pas. Un peu comme dans tous les jeux de voiture. Il y en a un qui part loin, les autres restent derrière. Ils font tout en général pour te bloquer. Si tu me bloques un peu trop, je vais te mettre dans le fossé. On est passé devant, c'est bien. Juste pas faire d'erreur. Bon, on est premier, mais on va terminer le circuit. On est sur une moto quand même différente, le brouillard s'installe. Il y a peu de une météo dynamique quand même. On a un petit peu de brouillard. À la sortie de route, on s'est bien rattrapé. On s'est très très bien rattrapé. J'allais failli partir en tête à queue. J'ai pris un peu trop de risques. Ça, ce rafistolage de route là, je suis pas fan.
Allez, il reste quelques virages. On fait face à ce ciel bleu, orangé. Elle est partie pour la ligne droite. Où je risque de me faire attraper. Grâce à la puissance de l'IA sur les lignes droites. Vous allez peut-être en avoir la preuve. Regardez bien sur la carte de circuit en bas à droite. La petite flèche bleue qui remonte tout doucement vers moi. Qui remonte très doucement, hein, légèrement. Mais il arrive. Donc pas sortie de route. Pas de mouvement brusque. Fini ce tour qui fut un peu long avec 2 secondes d'avance relativement tendu. On n'a pas eu de conduite parfaite, hein. On est rentré dans Monsieur Rose. Ah, est parti avec cette 4e course circuit Barcelona Catalogne version Grand Prix. 3 tours, on est parti. Bah, cette chaîne, Kikuishi et Fontaine. Ok, en premier, on est parti. Je vais pouvoir faire ma miniature sur ce circuit. Parce qu'il n'y avait pas eu vraiment de beau temps dans les anciens, la nuit. Que fait-il là? Cela questionne. On va se mettre un peu en FPS pour changer un peu. On attend qu'il y ait un petit peu d'espace. Non, il me bloque la voie comme d'habitude. C'est parti dans le fossé. Ah, ils prennent trop leur temps. Allez, déjà 7e. Non, pas le fossé. Tout va bien. Ok. Il est 10h30. Hop, on a bien géré l'épingle. Alors, monsieur rose, monsieur blanc. Un peu les deux fous du volant. On va les laisser se mettre tranquillement dans le décor. Voilà. Ah, mais non, m'attaquez pas comme ça. Regardez-moi ces deux abrutis qui savent pas conduire. Comment ils peuvent être aussi haut dans le classement alors qu'ils savent pas conduire? Ça va les mettre en dernier, sans déconner. Allez, deuxième tour. Je te passe devant. Il est où? Il est derrière moi. Il est deux premiers. Donc en première personne, ça se conduit très bien. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas une caméra brusque. Tout dépend les véhicules, mais celui-ci se gère bien. On voit ce qu'il y a devant nous.
réfléchis. On va essayer de doubler. Non, il a pas l'air de se laisser faire. On est passé devant. Non, 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 on sort pas. Hop, l'épingle. Nickel. Hop, la chicane, attention aux dégâts. Tout est bon. Allez, on se retrouve lors du dernier tour. On arrive dans les derniers virages. Kikuchi, toujours derrière moi, quelques secondes. Le Colobasque. Il tient bien, hein. Il tient bien. Il y a quand même un fossé monumental entre moi le deuxième et le groupe de derrière. Et on remporte cette quatrième course du trophée de tourisme. Cool. On a fait un circuit parfait. On est parti pour cette dernière épreuve, la course 5 sur le circuit de Sainte-Croix numéro B. Enfin, de la nouveauté. Deux tours hein, quand même. On a Marion, Chine et Oud devant. Ça marche. Ah oui, on leur met une sacrée patate. Quoi. Donc c'est le petit circuit Sainte-Croix B. On a quelques nouvelles routes. Un circuit qu'on a peu fréquenté pour l'instant. En tout cas, cette variante-là, on ne l'a pas faite. Il y a beaucoup de variantes sur ce... cet endroit. Un circuit très large, mais il faut quand même faire attention. Alors pour l'aspiration, on va arriver à fond. Toujours ensemble, hein. Ces deux-là, là. Ok, lui c'est doublé. Luc. Réchicha. Il y a, non. Lilcha. Je sais pas pourquoi j'ai freiné. Oh, j'arrive trop vite. Ah. Je suis pas parti comme je suppose. Tout va bien. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Il y avait largement le temps de la place de se remettre. Et c'est open bar pour se remettre. Oh, c'était tendu. Pas mal de dénivelé là. Les circuits plutôt longs. La Chine qui est devant. Ils osent pas se battre. Ils me laissent passer. Bientôt battre.
suis sûr qu'on peut empiler 6 voitures les unes de côté des autres. Tellement que la route elle est large. Un peu les ombres qui s'affichent au dernier moment par contre. Ce virage là il est pas facile hein. Il est trompeur. Hein. En tout cas l'indication de freinage est beaucoup trop tardive. Hein. Parce que la seule aide que j'ai, c'est le freinage qui s'affiche quand je dois freiner potentiellement. Sinon, le reste, c'est débrouille-toi. Ah, ça va pas être facile. On va le doubler là, mais. On nous indique de freiner trop tôt, après c'est trop tard. Ah, il y a un peu de bataille sur le dernier circuit, c'est pas mal. Le seul à vouloir sa place, quoi. Ma conduite n'est pas parfaite. Oh, il y a eu un carambolage. Non, pourquoi je freine encore une fois? Mauvaise habitude hein, de freiner. Du coup, il m'a carrément arraché le côté droit de la voiture. Là aussi, c'est un mauvais virage qui trompe. La bataille est lancée. Et je vais pas me laisser faire. Sont dénivelés quand même. Dernier virage. C'est quand même un circuit français. Hein. C'est pas les plus simples. Hein. Et on termine. Ben voilà, on a tout gagné encore une fois. Mais un petit peu de difficulté sur la dernière course. C'était plaisant comme championnat. Pas trop long. Pas beaucoup de courses. Ils ont été très sympas en tour. Il n'y a pas eu des tours inutiles à part pour le quatrième circuit. Mais c'était très sympa. J'espère que ce 17e épisode vous aura plu sur le mode campagne. On se retrouve très rapidement pour la suite, le 18. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à mettre le petit like, le petit commentaire si vous êtes nouveau, bah, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, puis activer la cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao!